Va te faire voir. Génial. C'est déjà l'heure de partir. Salut. Salut, mon ange. Alors, ce sera comme d'habitude aujourd'hui, monsieur et madame. Le jalapeño et sandwich au fromage grillé avec du miel pour lui et veggie burger pour elle. Tu sais, j'ai pas tellement faim. Non, moi non plus. Et pourquoi pas deux de tes célèbres doubles chocolats liégeois, n'est-ce pas? Ah, ça marche, patron. Alors, chérie, c'était comment ta journée? Oh, pas vraiment terrible. Merci. Curtis, j'aimerais être présente, toujours près de toi. J'aimerais t'aider quand tu ne te sens pas bien. Tu es si important pour moi. Tu es toujours là pour moi, Joss? Je sais, c'est... Je souhaiterais être présente tout le temps. C'est tout. Je
Que se passe-t-il, Joss? Curtis, je sais que quand on a commencé à sortir ensemble, nous avons dit que c'était juste pour le fun. Aucune promesse. Et j'étais d'accord aussi, je te l'assure. C'est que... Eh bien, parfois, les choses évoluent. Je t'aime, Curtis. Je veux pas sembler possessive ou jalouse, je veux simplement être près de toi. Je veux être près de toi, c'est tout. Hey. Joss, tu te souviens de la nuit où nous sommes allés au parc? Oh bon Dieu, il faisait si chaud. Et on avait apporté des croutons de pain rassis pour les donner aux canards. Ils sont tous venus nous voir. J'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de canards dans une seule mare. Et toi, tu les fuyais comme la peste. Oh, ils allaient me manger. Tu te rappelles ce qui s'est passé quand on s'en est débarrassé? Bien sûr, idiot. En parlant de manger, il faisait si chaud que ta peau était toute glissante. Alors nous avons trouvé ce coin sombre en dessous de cet arbre. Nous étions obligés d'arrêter de bouger dès que quelqu'un approchait trop. Et toi, tu gémissais de manière si sexy. Des plaintes, comme si tu n'en pouvais plus. Tue cette salope. Tue-la comme tu as tué ta propre mère. Curtis, tout va bien? Oui, je vais... Je suis désolé, Josh, Je me sens pas très bien, maintenant. Oh, mon bébé. Tu veux que je vienne chez toi ce soir? Je m'occuperai de toi pour que tu ailles mieux. Ah, ouais. Oui, c'est une bonne idée. Allons voir ailleurs, tu veux? Comme tu voudras. Cette dame, c'est une des meilleures. Entre. En fait, pour une fois, j'ai fait le ménage dans l'appartement. Ah oui? Et tu as acheté un aspirateur maintenant? Je te remercie, c'est très gentil, Joss. Est-ce que tu veux que je t'aide à faire ton lit? À quoi es-tu en train de penser? Devine. Thank you.
Au revoir à ton disque dur, espèce de con. Miss Blob, petite gamine. Oui, tu es la plus belle rate au monde, n'est-ce pas? N'attrape pas la grosse tête, hein? Mon nom est Curtis Craig et quelqu'un m'a conseillé le docteur Harbert pour une consultation et je me demandais si c'était possible de prendre rendez-vous. Certainement. Voyons voir. Vous avez de la chance, monsieur Craig. Un patient a annulé son rendez-vous d'aujourd'hui à 17h30. Très bien, parfait. Merveilleux. À plus tard, monsieur Craig. Au revoir. Thank you.
pense à toi. Fouet et bisous. T'es. Merci pour votre coopération. Je sais que ça n'est pas facile. L'inspecteur Powell vous contactera si nous avons d'autres questions. Mon Dieu, que s'est-il passé? Quoi? Trevor, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Curtis, je suis arrivé très tôt et je suis allé dans ton bureau voir si tu étais arrivé. Et Bob... Bob était là. Mon Dieu. Thérèse, qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Il semblerait que quelqu'un ait massacré ce pauvre Bob. Vous êtes sur le lieu d'un crime, monsieur. Je vais vous demander de rester dehors. Voyons la fait. Oui. J'en suis pas sûr. On s'est occupé de ça aussi. Oui. J'ai compris, monsieur. On s'est occupé de ça aussi. Oui. J'ai compris, monsieur. On s'est occupé de ça aussi. Oui, on l'a fait. Remarquez que vous êtes sur le lieu d'un crime. Partez d'ici. Quel est votre nom, monsieur? Curtis Craig. Est-ce que c'est votre bureau? Oui. Inspecteur Ali Powell, j'aimerais vous poser quelques questions.
Inspecteur, quelle sorte d'arme a été utilisée pour tuer Bob? Plusieurs, monsieur Craig. Coupe-papier, couteau, une lame de cutter et une grosse agrafeuse. Ah. Ah. Quelle était la nature de vos relations avec cet homme, Bob Arnold? C'était un collègue de travail. M'appréciez-vous, Bob Arnold? Non. Qui êtes-vous? Juste le témoin de tes crimes. À qui parlez-vous? Personne. Arrêtez ça. Je vous en prie, arrêtez. J'ai l'impression que vous êtes surmené, monsieur Craig. Nous continuerons une autre fois. Bonne journée. Curtis, j'organise une sorte de petite réunion à l'arbre des rêves. Je pense que nous avons tous besoin de sortir un peu. Ouais, d'accord. Merci à tous d'être venus. Une véritable tragédie s'est déroulée aujourd'hui au bureau. Une tragédie assez horrible. Si quelqu'un a envie de parler à un psychologue dans les prochains jours, la compagnie se propose de vous en trouver un à ses frais. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vais chercher des boissons. C'est si horrible. J'arrive pas à le croire. Ouais. Mes amis, je me sens pas très bien. Dites à Tom que je suis parti, ok? Bien sûr, Trevor. Tu sais, j'ai jamais apprécié Bob. Personne ne mérite ça. Personne. Je ne sais pas. Peut-être Charles Manson? Je veux dire, si on fait ça à Bob, pourquoi n'en ferait-on pas autant au gentil Charles? T'as vraiment eu du sang-froid quand tu as vu Bob ainsi massacré dans ton bureau? Aussi froid qu'un iceberg. Ouais, ma tête se trouvait sans doute ailleurs. J'étais dans un autre monde, comme si tout ça n'était pas vrai. Bien, puisque je suis à l'évidence invisible, Curtis, je ferai mieux de partir. Justin. Merde. Curtis, ne tournons pas autour du pot. Je t'ai dit ce que je ressentais pour toi, et tu as brandi ta carapace d'homme vertueux, mais arrête de jouer. Retrouve-moi ce soir au Borderline. Borderline? C'est ce club? Mm-hmm. Ben, j'ai jamais été là-bas. Je te note l'adresse. J'y serai à 7 heures. Ne me déçois pas. Mais où ils sont tous passés?
Hé, ratounette. Je suppose que tu ne sais pas ce qui se passe, hein? N'est-ce pas évident? Tu es un tueur psychopathe. Je n'ai jamais tué personne. Bien sûr que si. Hey, mon pote, tu devrais pas être en train de te baigner dans les lumières fluorescentes et chaudes de Wintech. Non. L'école a fermé pour cause de meurtre. Bob Arnold s'est fait découper comme un porc dans mon bureau. Rien que ça. C'est pas vrai. Si. Ah, c'est dégueulasse. Hein? Par ici, monsieur. Alors, raconte, comment il était? Totalement massacré ou bien seulement tué? Enfin, a-t-il été poignardé? Exactement, poignardé et agrafé. Comme un vieux carton. Agrafé? Putain de Dieu! Il a dû vraiment énerver quelqu'un au service de l'emballage. Dis-moi, as-tu été dégoûté quand tu as vu ce cher Bob tout découpé? Tu as vomi? Non. Non, j'ai pas ressenti grand-chose. C'est un peu comme voir un chat mort sur la route. Tu as dû subir un véritable choc, hein? Ouais, certainement. Faites ici. Je venais chercher du travail. Avez-vous perdu la tête? Vous ne pouvez rien prendre sur le lieu du crime, vous savez? Sortez d'ici.
Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Vous deviez obtenir ces réquisitions il y a des mois. Oui. Non. Très bien. Pris sur le fait, horrible thérapie, lobotomie et la solution, qu'est-ce que c'est? Thank you.
Thank you.
pas l'heure de mon rendez-vous.